Ah bah c'est gentil chez vous. D'accord. Bah alors. Bon, vu que ça a l'air de marcher. Allez, alors faut faire gaffe quand même. As you wish. Peut-être l'endormir. Comme ça, s'il attaque pas. Il y a 3000 PV. Allez Valfort. On va lui faire monter sa limite en 2-2 Valfort. Ça va être parfait. Tu. Oh, faudrait plus, bon ça va, Yama. Au moins il rapporte pas mal, hein. Ça c'est cool. Ah. Alors. Blaster Mine. D'accord, super, merci. Est-ce qu'on peut essayer de le silence? Flambeau noir. Plus du cul. Ouais, parce qu'en plus, on fait que dalle en dégâts. Peut-être ça ira mieux comme ça. Ça va mieux comme ça. L'effet dans son ventre est cool, hein. On dirait un peu un scanner de cerveau. Ah, c'est une grosse saignée, ça. Très bien. Car, peut-être. Qui n'a pas joué? Waka a fait. Ouais, bon, allez. Bon, si tu te remets que ça, ça va aller vite. Looks like we got a job to do, yeah? If anything should happen in the water,
We're relying on you three. Oh là, il va falloir apprendre à nager quand même. Right. Be careful. Oui, okay. Non, mais ça va, ça va. Ah, on aurait pu passer dans l'autre sens en fait. Deux secondes. Parce qu'il y a des coffres. Il y a 800 coffres cachés ici. Ah bah non. Ah non, ils sont ailleurs. Ah oui, parce que vous voyez, il y a deux maps en fait. Donc c'est pas évident. On va d'abord aller tout droit. Barracuda. Ils ont plus de PV quand même. Pas eux. D'accord. Ils sont un peu agressifs. C'est combien, 7000 PV? Il va se calmer. Hein. Voilà. Donc oui, ils sont chiants parce qu'ils ont beaucoup de PV, mais ça va. Ouais, faut qu'on aille là-bas d'abord. Enfin, d'abord, pas forcément, mais... Mettez pas un behemoth, s'il vous plaît. Première épreuve de Gagazé, atteignez le centre avec la balle de Waka. Ratsi. Trop tôt. Bah, genre. Il tape comme un sourd. Attendre que les sions s'alignent, trop tard. Ah bah voilà. Donc ça c'est bon, on peut repartir dans l'autre sens et tourner à droite. Voilà. Voilà, ça c'est allé vachement plus vite. Alors,
sais plus s'ils sont chiants ou pas, je crois que oui. Voilà. Ils font un peu mal. Donc Riku. Potion Albed. Téléporté. Voilà. Oui, ils sont chauds parce qu'ils font quand même des dégâts à quasiment 1000. Et c'est pas cool. Mais ils mettent 2 tours à attaquer, donc ça va. Faut revenir. Faut revenir jusque là-bas. On n'a pas le temps. Il nous regarde se barrer comme ça. Voilà, t'as bien fait de te concentrer. Oh! Pas mal! On peut remonter et on va pouvoir changer de chemin. Ah, super. Maintenant on peut passer sur l'autre. Oh! T'as souffert. Ce 666 à l'envers. Est-ce que car... Ah car c'est... D'accord. Bon, allez, car multi-cible. Pas mal ça. Et ça compte pas en plus pour le... l'attaque. Riku elle a fait une potion Albed. Yuna. Heureusement, il tangue bien. On va essayer de finir avec Yojimbo. Parce qu'il y a quand même trop la face.
Bon, il coûte cher. I believe in you. Ouais, je me disais bien qu'il allait pas attaquer tout seul. On va donner 1000 gills. Allez, fais un truc bien, il a 5000 PV, tue-le quoi. Putain, va te faire pire. Ah, quand même, tu tues. Merci. Par contre, il a des bras beaucoup trop grands, c'est très bizarre. Du harcèlement. As you wish. Est-ce que Trépan ça marche du coup? Ça marche. Oui, ça marche bien. Mais oui, elle était en défense. Du soin. Faire trépan sur l'autre, ils ont 17000 PV. Contre-attaque gratos. Voilà, pas le temps. On aurait pu faire ça depuis le début, hein. Mais bon. Ah, d'accord. On sauvegarde. Encore ? Putain, mais lâchez-nous la grappe un peu. Mais non, pas Yuna, Lulu. Non, pas... La cyanure. La cyanure, si, c'est rigolo, mais... Car... Enfin, bien plus sympa. Kimari qui prend la max. Allez, bam.
contre, on gagne des armes et tout, c'est cool. Hein. En vrai, c'est bien. Alors, par où on peut aller? De toute façon, c'est pareil. Hein. Change rien, plus ou moins. On va toi, hein, c'est gratuit. Toi, on s'en fout. Et toi, ah oui. Donc, Auron sur 20. Oh non, d'ailleurs, en fait, ce qu'on va faire, c'est d'abord tuer la robot. La rabat. Putain, il m'a dit qu'il s'est fait défoncer. Waka n'a pas joué. Maintenant oui. Auron, pour lui, je pense qu'il va le tuer. Même pas besoin de regarder l'écran. No time to waste. Let's go. Exactement, il n'y a pas de temps à perdre. C'est pas parce que ça ressemble à un dragon que faut se faire dessus. Nameo. Oh! On les connaît pas ceux-là. 9000 et 2000. Alors 2000. Et si on peut en capturer déjà. Ah mais attaque glace c'est de la merde. Ah merde, c'était capture qu'il fallait. Voilà, Fki. Qu'est-ce que je fais, Riku? N'importe quoi. Potion Alben. Comme notre deuxième healer. Mine de rien, au niveau des overdrive, on a bien remonté là déjà. Ah! Il va falloir un petit trépan. Du coup, Waka, on va leur mettre son arme, parce que... Ouais, balle de collection, voilà, c'est celle-là. T'es concentré deux tours pour ça. C'est ridicule. Bon, tant pis. Ah voilà, c'est mieux. Farewell. Grendel. Ouais, c'est par où? C'est par là, Jack.
Ah, c'est vrai que je peux les capturer en fait, aussi. Altruisme, c'est la limite qui augmente quand t'es soigne, ça peut être intéressant pour Riku quand même. En vrai. Bon, ok, tu vas taper que le Barracuda cornu maintenant. Il va bien finir par mourir. Quand même. Pardon, je m'étais perdu dans la soluce. C'est en fait comme les maps. Vous avez vu, hein, les maps, elles se... Les chemins, ils se... Comment dire? Ils se chevauchent. C'est un peu compliqué de se repérer quand même. La deuxième épreuve de Gagazé. Actionnez les leviers cachés dans les trois trous en même temps. Choisissez bien qui doit entrer en fonction... Dans quel trou en fonction de sa taille. Bah, c'est pas dur. Riku, elle va prendre le bleu, ça a l'air d'être le plus petit. Tidus, il va prendre le vert, ça a l'air d'être l'intermédiaire. On dirait, hein. Et bah, Waka, bah, tu prends le rouge. Ça a l'air d'être bon. C'est pas ça? Oh, c'était plus simple que ça. En fait, Riku, elle prend le vert parce que son truc, il est vert, son ferrier, il est vert. Tidus, il prend bleu parce que son sphérier, il est bleu. Et Waka, il prend le dernier qui est plus ou moins orange. Son sphérier est orange. Donc le vert est plus petit, là. On serait pas rendu compte, honnêtement. Mais, pas censé avoir un coffre après, là. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps, moi, dans... À un moment donné, faut que je rende l'antenne. Et s'il y a un coffre? Putain. Serre étoile, en plus. Ça veut dire que j'en ai raté un tout à l'heure. Non, c'est bon. Bon, j'en ai pas raté. Non, mais cassez-vous, j'ai pas envie de vous battre. Même si c'est vrai que les petits, on aurait pu les capturer, mais honnêtement... Chiant. Chiant sur 20. Oh là là. Et les 800 notifications. C'est chiant. Non, on va d'abord capturer les petits. Pas mort.
J'utilise souvent la limite de Tidus, comme ça je pourrais avoir la prochaine, c'est ça l'idée en fait. Enfin, je vais mettre 8 ans à l'avoir. Parce que je crois qu'il y a une arnaque, genre... Genre, admettons, c'est un chiffre au pif, mais admettons que la première, il faille la faire 8 fois, la deuxième, il faut la faire 16, et la troisième, 32, quoi. C'est un truc dans ce genre-là. Une embrouille moldave de ce type. Donc c'est chiant. Maintenant on va passer de l'autre côté. Oh. En fait décamper faudrait l'apprendre à tous les persos pour être tranquille. Pour expédier les combats nuls. Ah, et maintenant ça ouvre ça. Ouais, mais on n'a pas fini. En fait. Pas le temps. Non mais je veux juste aller faire la troisième épreuve et sauvegarder en fait. Ça, c'est les coffres qu'il y avait tout à l'heure, on était en face. Bac Zephyr. Faire retour. Alors attendez. Je crois que c'est en haut. Alors non. Même si on pourrait être capturé, c'est chiant. Là vous vous dites ouais FF6 il y a quand même beaucoup de combats mais là en celui-là aussi il y a plein de combats tout le temps. On n'a pas tout fini. They'll be upon us soon. She has sent fiends to test our summoner's strength. Who is she? Unaleska. Lady Unaleska. In Zanarkand she awaits the arrival of the strongest. She is still alive? As much as Micah and Seymour. I see. Lost your nerve? No. Nothing frightens me now. Braska would be proud. Then
I must not let him down. Oui, mais non, parce que... Non. En fait, c'est pas par là. Là, c'est la sortie. Cette map là, c'est compliqué. Là. Donc, je vais ellipser en speed ou pas, on verra. Là, c'est dans ça, mais putain. C'est quand même là qu'on se dit que FF8 et son no combat et son no combat et mi combat c'était quand même plutôt cool. Surtout que c'était pas compliqué à avoir. Il y a une compétence pour ça dans ce jeu là, mais elle est chiante à farmer. Ah merde, j'avais Tidus. J'avais déconné. C'est une compétence qu'on met sur un équipement et pour crafter ça, il faut plein de... Ah voilà, là c'est bon, là, on a ouvert le truc. Coulière étoilée. Étoilé. Ah oui, effectivement, c'est pas mal. Point de sauvegarde en haut. Donc là c'est bon, on a tout. En fait les deux épreuves c'était pour débloquer ce coffre là. Tellement les murs. Le problème c'est ça, c'est que comme on sait pas vraiment où sont les bords des maps, c'est un peu, on a tendance à frotter les murs. Ah, je vais juste capturer le... La Riman là. Bah, attaque éclair. J'espère que vous entendez pas les 850 notifications sur la tablette. Hein. C'est une conversation, du coup je peux pas genre me faire démentionner. Enfin, j'en sais rien. Peut-être, j'en sais rien. Dites-le dans les commentaires. Remettre une vraie arme avec Ron en fait. Riposte, c'est bien. Oh. Après, riposte, c'est bien, mais faut pas tomber sur un adversaire qui riposte automatiquement, sinon c'est la porte ouverte. Hein. T'es sérieux, c'est le point de sauvegarde. Abarapara et salut.
Ok, bon, point équipement, sphérié, tout ça, avant de terminer la vidéo, enfin la session pour moi. Brassard de gloire, HP plus 10. Oui, non, c'est... y a pas mieux. Enfin, en tout cas, lui, il a pas mieux. Baroque. La physique. Bon, on va reprendre la fraternité, hein, tant pis. Clé de gloire, c'est encore un HP plus 10, c'est ça? Défense physique plus 10 ou HP... Non, c'est bon. Oui, HP, c'est quand même bien. Obscurité plus. On va tester, quand même. On sait jamais. Alors sur les Mog, les peluches, quand vous voyez attaque quelque chose, c'est attaque physique. Donc en fait, c'est pas très intéressant. Regain de HP. Oh, trop bien. Ok, ce qui arrive maintenant. Qui était pas loin d'une compétence cool. Si, c'est lui. Hein. La question est, est-ce qu'on a des sphères niveau 3? Non. Dommage! On avait dit qu'on allait chercher Vimax. Ah, c'est ouf, j'ai fini le sphérié de Riku. Trop bizarre. On sauvegarde et on va se quitter là les gens. Moi c'est la fin de ma session, ça fait une heure et des patates, 1h10 sûrement. Je vous fais les bisous et la prochaine fois on sortira donc de cette grotte et on verra de qui a parlé Auron, peut-être un jour sous peu. Voilà, je vous fais les bisous, des bisous et les 850 motifs vous font des bisous aussi si elles peuvent. À plus.